Salut à tous, c'est Macognan Minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le fan game Macognan Minou, le fan game de Neo. Alors, dans le dernier épisode, on avait battu encore une fois l'admin de la team Mac, et donc du coup j'ai été, comme je l'avais dit, me soigner, et on arrive donc dans la nouvelle ville. J'en ai profité, j'ai monté un petit peu mes Pokémon, hein, vous pouvez le voir, peut-être même un petit peu de manière abusée, je me suis un petit peu lâché sur ma Chopper. Donc voilà, 25, le reste je voulais faire du 22, puis bon, entre temps je suis retombé sur... Voilà, j'aimerais bien un Dracaufeu assez rapidement pour vol, si un jour on chope vol. Voilà, là, et puis surtout ma Chopper quoi. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit autant anticiper. Donc là, on est déjà la reine, ok. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? D'accord, il m'a mis des placements de produits. Puis pas les meilleurs, hein. Doritos Nutella, super. Kinder. Je vais soigner mes Pokémon, non ils sont déjà frais. Alors qui c'est qu'on a par là? Bah oui, c'est la team Hack, elle hack. Est-ce quoi directement à l'arène du coup? J'ai un QI de 198. Ok, c'est une très bonne question, je sais même pas du tout le QI que j'ai. Du coup j'ai eu pas mal d'attaques, hein. Surtout, c'est surtout ma Chopper qui a pris. Petit freeze là, ça arrive. Je vais amener ma Chopper au bout. Comme ça, je serai peinard pour après faire XP les autres. Il est bien balèze, je vais aller plus vite. Ah oui, j'ai acheté aussi quelques soins, quelques super potions et une potion. Je pensais que j'avais plus de thunes que ça quand même. À chaque combat, on gagne même pas de quoi acheter une petite potion, donc ça va aller assez lentement. D'accord, un quiz. Ouais, je suis pas hyper intelligent, mais je suis pas non plus un gros connard, quoi. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai toujours l'air bizarre de côté. On va quand même mettre lui. C'est marrant, on a l'impression qu'il électrocute juste ma petite fleur. Ma petite tulipe sur mon dos. Ça aurait été marrant qu'en fait il y ait plusieurs types d'Herbizarre Florizarre en fait. Que le bulbe de Bulbizarre il donne différentes fleurs. J'ai pas vu du coup la question. Ah oui, j'ai pas vu la question. Ah ouais, putain la vache.
Et tu me rends pas ma thune? Bon, ok. Je me suis fait eu. Et moi aussi. Putain, j'adore ma tenue, ma casquette. Un jour, je veux la même. Je pourrais jouer à Pokémon Go avec. C'est nul d'être paralysé comme ça. J'ai pas de soin de statue, hein. Je crois que j'ai vu que j'avais un antidote. Je suis déjà paralysé, gros. J'ai un petit peu peur quand même du niveau du champion. Parce que là les sous-fifres sont quand même pas trop mal. Hein. J'ai appris Trancherbe là juste avant le tournage d'épisode. Ok, 300 euros. 300 Pokédollars. Comment s'appelle le champion du type électrique à Kalos? C'est tellement une bonne question. Oh. Je retiens jamais les noms. Mais vraiment, je retiens jamais les noms de champions. Bon du coup, voilà, c'est l'aime. La première génération, deuxième génération, sans souci, mais je sais pas pourquoi les autres ne veulent pas rentrer. Je m'étais déjà fait en fait cette réflexion, bah du coup, elle m'a coûté quand même 500... Elle m'a coûté de la thune quand même. Hein. Bon, ça y est, on s'est enfin débarrassé de lui. Costaud ce petit loupio là. Je me souviens quand j'étais petit. Quand on est petit on est con. Il y a plein de trucs comme ça qu'on se dit. Quand j'étais petit je pensais ça et on se dit on est vraiment débile. Et quand j'étais petit j'étais persuadé qu'il fallait surtout pas faire une giga sangsue ou essayer de prélever de la vie à un ennemi qui était empoisonné. Sinon on devenait empoisonné. Je crois que c'était mon frère qui m'avait dit ça. Ok, ok, ok. Confus et paralysé, ça devient chiant quand même. Heureusement que j'ai monté mes bestioles parce que sinon...
C'est encore une fois la vampigraine qui nous a sauvé la vie. Non, c'est de la merde ça. C'est de la merde, doux parfum. Allez, place au moins le vampigraine. J'adore cette attaque, bizarrement. Ça c'est une qui va me... c'est pas au chocolat. Je vais pas avoir la CIA derrière moi, je suis sur un des dénoms. Comme bonne réponse. Énorme, t'es grave Néo, franchement t'es grave. Mais non, on dit pain au chocolat. D'accord. Ceux qui disent chocolatine, vous êtes des démons. Voilà. Allez, on y va à la zone. Je suis Lisa, championne de ce merveilleux type. Quel type électrique? Tu veux que l'on combatte? D'accord. Ok. Pas chiante la meuf. 4 Pokémon, elle va être chaude. Ouh, qui c'est qui va perdre? De toute façon, quoi qu'il arrive, elle va crever. Oh, il tient quand même, hein. Bon, c'est pour faire ça. Il y a quand même un gouffre entre les champions d'avant et le champion. Allez, tiens le coup loulou. Bon, j'espère que ça soit plus fort. Parce que si c'était le moins fort, on est vraiment mal. Et ça grimpe, hein. On va le celui. On va spammer la Dracourage. Ah, ça va. Ça va. Allez, tiens, bébé, tiens, 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 tiens. En fait, je pense que je serai le champion d'un genre de défi ou un genre de challenge où le but du jeu c'est d'utiliser aucun objet. Je serai un champion à ça. Bon, déjà je vais tenir les attaques électriques. Puis je vais, voilà, je vais y aller à la morsure. Hein. Motisma. On le voit pas souvent Motisma. Broye est une attaque qui me fait très peur. S'il te plaît. Allez, encore un, je crois. Et les câbles. Pff, oh le bourrin.
le bon bourrin. Ça fait mal. Bon, une fois que la Rampigan est placée, c'est quand même cool. Bon, je me suis amusé quand même à XP et au final, ça a été tendu. Bon après, j'ai vraiment été à la rage, j'ai pas... J'aurais pu aller me soigner un petit coup avant le champion quand même. Mais bon voilà, c'est ta faute Néo, si t'as qu'à pas faire un jeu aussi cool. Du coup moi j'ai envie de jouer. Voici le badge rage. Si tu veux me combattre encore, tu peux, mais attention, les Pokémon seront au niveau 50. Ah c'est cool ça. Je vais pouvoir un petit peu me faire de l'XP plus tard. Bon, je vais me soigner directement, on est plus à une minute près. Non. Bon voilà, ils sont saignés deux fois pour le prix d'un. Bon bah voilà, c'était déjà un épisode quand même avec de l'action, il y a eu des combats, il y a eu une arène, c'était vachement cool. Dans le prochain épisode, on va aller voir ce qui se passe dans la vie d'à côté. Voilà, vous oubliez pas, si ce let's play vous plaît, et aussi pour remercier Néo de son travail, qui est quand même un travail assez monstrueux, et bah vous n'hésitez pas, le petit like, un petit commentaire sur ce que vous avez pensé, et puis voilà. Allez, on se dit à la prochaine, bye bye.